L'écologie est l'un des enjeux les plus importants de notre avenir. Aujourd'hui, il est essentiel d'évoluer vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Avez-vous déjà entendu dire que les pays nordiques étaient les meilleurs en termes d'énergie renouvelable et de préservation de la nature ? Les pays comme la Suède, la Finlande ou la Norvège sont souvent mis en avant par les médias. Devrions-nous tous prendre exemple sur eux ? Afin de nous forger une opinion plus précise sur le sujet, nous sommes partis enquêter en Norvège à la rencontre de professionnels et d'associations impliquées dans des problématiques environnementales. Nous avons pu, au cours de nombreuses discussions et d'interviews, en apprendre plus sur le sujet et mener une réflexion collective sur l'avenir de la cause écologique. Nous sommes heureux aujourd'hui de partager notre expérience avec vous. Il y a plusieurs critères qui font que la Norvège a une avance. Premièrement parce que c'est un pays qui a toujours été proche de la nature, qui a misé sur les énergies renouvelables depuis longtemps. C'est un pays qui utilise finalement très peu l'énergie pétrolière ou les énergies fossiles en général. Ils utilisent principalement l'énergie hydroélectrique. We are 98 to 99% of our energy is produced by hydropower mostly, but that's just pure luck. That is the energy form that we had, you know, that we started to develop in the early 1900s. It had nothing to do with the environment, had nothing to do with anything else, but the fact that this is the source of energy that we have. So this is not a choice of the country to focus on sustainability. No, so we had hydropower 60 and for industry 60, 70 years before we even started thinking about developing the oil fields. It's a cliche that also Norwegians like to participate in. Yes, we do love nature, but it's also because we have the opportunity, it's all around us. I mean, we are a very large country with a very few people. We are 5.5 million people approximately living in this country. D'après l'ONU, la population mondiale pourrait atteindre 9,8 milliards d'habitants en 2050. Cette augmentation, conjuguée à l'évolution des habitudes de consommation, engendre une plus grande utilisation des ressources terrestres. On peut mettre en lumière notamment ceux des pays développés, avec l'opulence que l'on y connaît, mais également dans les pays en voie de développement qui veulent concurrencer les plus grands, souvent au détriment de l'environnement. De plus, les inégalités existent aussi entre pays développés. D'après l'ONG Global Footprint Network, certains modes de vie sont bien plus gourmands en ressources que d'autres. Si nous vivions comme la population australienne, il nous faudrait l'équivalent de 4,1 planètes Terre. Tandis que si l'on vivait tous comme des Espagnols, il nous faudrait l'équivalent de 2,5 planètes. Changer nos habitudes de consommation pourrait permettre de limiter l'impact de la hausse de population et donc préserver certaines régions du monde. Dès la crèche, on fait beaucoup de... J'ai beaucoup de sorties ou des excursions dans la nature avec la classe. Mais c'est surtout à l'école primaire et au collège. On a toujours eu des exercices de nos profs. Par exemple, aujourd'hui, on va trouver ces plantes. Donc il y avait toujours un côté éducatif, mais aussi un côté où on a eu du temps de profiter de la nature, disons. Et donc, par exemple, moi, j'ai travaillé dans une crèche.
Et pour nous, c'était aussi très important de faire sortir les enfants. On les fait sortir tous les jours, sauf s'il y a il neige beaucoup, ouais, voilà. Non, du mauvais temps, ça va. Ah. C'est juste s'il fait vraiment, vraiment pas beau, s'il y a beaucoup de neige ou voilà, surtout pour les tout petits. Faire notamment, et on en parle assez peu, sur d'autres sources d'impact sur l'environnement, et notamment l'aquaculture. Et les produits utilisés pour l'aquaculture ont des impacts à long terme sur les écosystèmes, et là je vois du progrès à faire. L'aquaculture concerne l'élevage et la récolte de poissons, de mollusques et de plantes aquatiques. Cette pratique utilise des produits chimiques, des engrais et des antibiotiques. Une fois rejetés dans la nature, leur impact se révèle désastreux sur la faune et la flore. Par conséquent, ils sont aussi désastreux pour nous, êtres humains. We have quite good legislature concerning nature conservation, and we also have a very good knowledge system. So there is a lot of mapping, and we know a lot of about the biodiversity, which is of course easier being a country far to the north, where the biodiversity is, I guess, less than further south. But nonetheless, there are quite a number of issues related to have knowledge-based management. So actually using the knowledge that's generated and mapped, that's not always the case, and of course, in particular when it comes to large carnivores, the knowledge isn't used to make a basis for the management as such. We still have a way to go. I mean, depending on which country you compare to, of course, in different issues, because I mean, if you look at the fisheries, I mean, the management of the fisheries in the seas in Norway, I guess, is one of the best in the world, because it's quite a lot of knowledge-based management, but not for all the species. Some species are kind of like except because they're popular for fishing, so popular that they want that the authorities don't want to reduce the quotas enough. So it's like good and bad. We have a lot to do on energy efficiency, clearly. But what I think is really disappointing with Norway is that we've had an opportunity. With a country with a lot of knowledge on renewable energy, because we've been doing it for the last 100 years. And we have a lot of money that we have earned from oil, and we could use some of that to develop more state-of-the-art renewable energy that we can export technology to other parts of the world. And that's an area where I think we have been really slow and really falling behind, where we could have taken a more leading role globally. D'après IRENA, la part des énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité était de 25% en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 85% en 2050. Cependant, se lancer dans les énergies renouvelables à grande hâte peut se révéler être néfaste. Un exemple, avec le barrage hydroélectrique d'Elwha aux États-Unis, qui a dû être désinstallé 20 ans après sa construction à cause de son impact désastreux sur la faune, notamment sur les saumons. There was a recent study, for instance, from Oxford University just a few months ago, saying that we could actually save 70% of the land we now use
of agricultural land. If we cut out the animal production and based our eating on the plant-based food, and it's quite a lot actually, it's really big numbers. And that if we did that, then we would free a lot of land on earth to forest building and give it back to the other animals. Yes. Dans notre monde, l'agriculture a une place très importante. Elle représente un tiers de la surface terrestre. Elle est la cause de 80% de la déforestation et représente 70% de la consommation d'eau mondiale. Les engrais chimiques utilisés sont responsables d'une pollution massive des sols et des principaux réservoirs d'eau potable. Les éléments chimiques non absorbés par les plantes se retrouvent déversés dans l'environnement. Le partage de connaissances des nouvelles techniques agricoles dans les zones les plus isolées pourrait permettre de limiter la dégradation des sols et le gaspillage des ressources. Il y a un mouvement hein, qui fait que les gens débattent en tout cas beaucoup sur le plastique et il y a des actions qui sont prises, mais j'ai l'impression très localement. Enfin, il y a quelques pays qui ont banni l'utilisation des produits à usage unique, des sacs plastiques, des pailles ou des gobelets plastiques. Après, c'est pas encore généralisé. Mais pour agir sur les microplastiques, il faut avant tout agir sur la consommation et le traitement des plastiques. Donc être beaucoup plus efficace sur le recyclage pour éviter que les déchets plastiques se retrouvent dans l'environnement. La production mondiale de plastique augmente de façon significative. Lors de leur lente biodégradation, ils vont être réduits à l'échelle microplastique, puis à l'échelle nanoplastique, échelle invisible du plastique. Les nanoplastiques ont la capacité d'absorber et de relâcher des produits chimiques. Ils sont facilement ingérables par les organismes marins, ce qui, via l'alimentation, entrave la santé des êtres humains. Une fois rejetés dans la mer, ils peuvent être transportés par les courants atmosphériques et marins. Même l'Arctique, en grande partie isolée du monde civilisé, est impacté par ces polluants chimiques venant des quatre coins du monde. Le bateau Ocean Cleanup a pour mission de nettoyer le Pacifique de ces plastiques. C'est grâce à ce genre d'initiative que l'on peut constater que des solutions existent et qu'il incombe aux différents pays de déployer des systèmes performants à travers le monde. Good lessons to be learned, but in the same way, Norway also have a number of lessons to learn from other countries. That's and I think that's the thing. I mean, you won't find any country, I think, which is the best in any way. So I think a good thing would be like to learn more from each other, what has been working, what has not been working, to like get a better preservation, and of course get more cooperations on how to like reduce biodiversity loss, I think is the way to go forward. Even though there is like biodiversity loss and you get like all these examples of things that are not going in the right direction, there are also like so many things going in the right direction. And like you see that people are, at least some people are willing to make a change and they want to make like small changes here and there, but together it will make, I mean, it might be just create the change that's needed to get a better better future, so to say, just for like for ourselves and the nature. Of course, I mean, it's very easy to be critical and knowing that, you know, always have this feeling that it's not happening enough, you know, and not fast enough. But at the same time, I also have this feeling that now, I mean,
if you think about it, I've been working for 15 years in Greenpeace. And the language that we were using in 2015, which is 3 years from now, it took less than 2 years until the big financial institutions were using the same language in, you know, publicly. You know, so the whole discussion is moving so much faster than anything I've ever seen on any issue. So I think it's, you know, you can like it or not, you can believe it or not, it's going to happen. Il y a à l'horizon tant de possibilités et de solutions afin de revenir à une gestion équilibrée des ressources de notre planète. Au cours de ce documentaire, nous avons pu voir que même un pays tel que la Norvège, vu comme étant un modèle écologique et environnemental, a encore beaucoup de chemin à réaliser dans ces domaines. Cela met en avant que tous les pays sont concernés par ces problématiques. Durant ce voyage, nos rencontres nous ont mis en lumière l'importance de la transmission et de l'échange. C'est ensemble que l'on pourra agir pour l'environnement.